Bonjour. Bonjour Josiane, bonjour Christine, bonjour Carole, bonjour Francine, bonjour Ludivine. Ah si, il fait chaud. Bonjour Sylvie, bonjour Angélique, bonjour Sandrine, il fait trop chaud. Bonjour Chris, bonjour Patricia, bonjour Valérie de la Martinique, Viviane de la Martinique. Bonjour Carole, ça va bien? Bonjour Bénédicte. Ça va, il fait chaud, c'est tout. Bonjour Joël. Merci, c'est gentil. Suis pas très courageuse aujourd'hui, hein. Bonjour Françoise, bonjour Séverine. Je m'avance un peu pendant que je vous dis bonjour. Finalement, j'ai du jambon sec, hein. Je ne sais même plus ce que j'achète, moi, c'est grave. Bonjour Agnès, bonjour Anne-Marie, bonjour Henriette. Merci Françoise. Tu es d'où, Françoise? Normandie, Honfleur. Super. C'est beau là-bas? Bonjour Thierry. Les petites... les tubes addicts. La recette dans le moule foot, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est joli aux fleurs, oui, c'est très beau aux fleurs. Je connais un petit peu. Bon, pas vraiment beaucoup, mais un petit peu. Je crois que j'ai dû y aller une ou deux fois. Alors, on est déjà 39. Super. Bon, comme vous voyez, je ne fais pas quelque chose de très passionnant. J'ai pris mon jambon sec. Bonjour Martine. Ah ben oui, il doit faire beau en Martinique, oui, c'est sûr. Je fais rien de passionnant, j'ai pris mon jambon sec et 100 grammes de jambon sec et je suis en train de les couper en petits morceaux, hein, pour m'avancer un petit peu. Presque fini. Bon, je l'aurais fait pendant le live. Donc autant le faire un peu avant. Voilà. Donc dans un premier temps, il faut couper le jambon en tout petits morceaux. Après, il faut prendre des tomates séchées. Alors moi, je ne sais pas si c'est marqué tomates séchées. Ah, c'est bien, Ludivine. Ah bah oui, bah non.
Bon, bah écoutez, normalement c'est des tomates séchées. Moi, c'est des tomates séchées avec morceaux. Mais moi, ils sont déjà hachés. Normalement, les tomates séchées, c'est dans de l'huile. Je pouvais couper dans le turbo-top, mais j'ai pas envie. On peut le faire dans le turbo-top. Voilà, donc au départ ils disent couper le jambon et couper les tomates. Bonjour Nathalie. Couper les tomates. Bon, si vous avez des tomates, des vraies tomates séchées coupées en morceaux, vous les coupez. Moi, vous voyez, c'est de la purée, donc je ne vais pas les couper. Alors, attendez, je vais chercher parce que j'avais mis au frais exprès, s'il fait très chaud. Mon deuxième. J'avais mis mon Speedy au frais. Et on va, dans le Speedy 2, on va mettre les jaunes. Et dans le Speedy normal, on va mettre les blancs. Éventuellement en Allemagne, mais c'est vous qui payez les frais de port. C'est comme ça doit être comme la Martinique, ça doit être plus cher. Moi, ça me dérange pas hein, de vous livrer. Vous envoyez en colissimo en Allemagne. Par contre, il faut que je regarde les tarifs. Si les tarifs sont élevés, vous aurez à payer les frais de port. Alors, normalement, c'est 6 œufs. Et vous savez, comme mes œufs sont petits, je vais en mettre 7. Voilà, 6. Combien j'en ai mis? 1, 2, 3, 4, 5. Bah oui, j'avais pas vu. Hop, je vais mettre les épluchures là-dedans. Hop, pas de dégâts. D'Aurillac en Auvergne. Ah, super, il doit faire chaud là-bas. Alors, on a coupé notre jambon. Pour ceux qui ont des tomates séchées normales, ils ont coupé leurs tomates séchées. On a séparé 6 jaunes d'œufs, jaunes dans le Turbo Chef 2. Bonjour Florence. Et les blancs là. Donc, ils disent de fouetter les jaunes pour avoir une texture mousseuse. Alors on va les fouetter. À l'ombre de la tonnelle, ouais, génial. Moi j'ai le ventilateur hein, parce qu'il fait trop chaud aujourd'hui. Alors. Il tombe dans les deux sens, ce Speedy, sans problème. Si vous faites ça avec l'autre, bonjour Isabelle. Si vous faites ça avec l'autre, vous défaites le truc. Sous le cerisier, Martine, génial. C'est bien les lives, ça vous permet d'être... C'est pas grave, Sylviane.
Donc, j'ai mélangé les jaunes. Après, ils disent, je suis un peu la recette parce que je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Alors, mélangez les jaunes pour avoir une texture crémeuse. Après, ils disent de rajouter dans les jaunes. Alors, j'ai pas pris de spatule. Quand je vous dis que je manque à tous mes devoirs. Alors, une fois qu'on a bien mélangé les jaunes, on rajoute le jambon. Oui, ce sera peut-être mieux. Alors, on rajoute le jambon. Il faut normalement 50 g de tomates séchées. Donc moi je vais mettre, donc ça c'est un pot de 180, je vais mettre un petit peu de tomates séchées. Voilà. Voilà. Et il faut mettre du fromage râpé. Donc je vais prendre ma speedy wrap, qui est toujours... Bonjour Sylvie, merci. Je vais prendre ma speedy wrap. Elle est encore en promo, elle est en vente en mai. Elle y sera plus en juin. Je vais prendre 100 g de fromage et je vais le râper. Vraiment, c'est mes chiens qui sont dehors. Hein. Ils veulent rentrer, donc ils vont rentrer, mais ils vont attendre un peu. Donc, on fait du brouillé râpé avec la speedy wrap. Voilà. Donc, j'ai mis du fromage râpé. Alors, revenons. Donc, on a mélangé les jaunes d'œufs pour qu'ils soient crémeux. On a rajouté le jambon, les tomates et le fromage râpé. Donc, on mélange. On peut mélanger au Speedy Chef, hein. Mais bon, là, je mélange et ça fait un beau mélange. Normalement, ils disent de tamiser la farine, mais je suis un peu feignante aujourd'hui, j'ai pas envie. Donc, je vais rajouter merci, vous êtes trop gentil. Je vais rajouter 100 g de farine. Et il faut... Alors, où sont mes cuillères mesure? Ils sont là. Il me faut 5 ml de levure. Ouais, allez. 5 ml de levure. Ah ben oui, il fait chaud, donc on essaie de s'habiller estival. Hein. Alors, il faut 1 ml de noix de muscade.
Donc je prends la cuillère de 1 ml. Et j'en ai largement mis 1 ml. Eux, ils disent pas, mais on va mettre un peu de poivre. Normalement, il faut en mettre, c'est mieux. Et puis, donc, ta-da-da-da-da. La levure, la farine, nana. Et, eh bien, on va mélanger un peu en vitesse 2. Comme ça, ça mélange sans souci. Voilà. Donc là, on a quelque chose d'assez épais. On va monter les blancs en neige. Donc on va mettre, eh bien, on va mettre le sel. On va mettre le sel dans les blancs. Comme ça, ça... Hop. Et je vais en remettre un petit peu là. Pas trop, voilà. Avec donc mon Speedy Chef normal, je monte mes blancs en neige. Vous voyez, si vous tournez de l'autre côté, vous pouvez. Mais à force, vous défaites votre en haut là. Ça se défait. Alors, c'est 3 ml de sel. Dans le, j'ai pas mis 3 ml dans les blancs, hein. J'ai mis 1 ml dans les blancs et 2 ml dans l'autre. Voilà, les blancs. Vous voyez, il n'y en a pas mis longtemps. Hein. Le temps de sortir le truc électrique, c'est fini. Alors, hop. Bonjour, le mari de Sylvie. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc on met les blancs. On met les blancs avec le reste. C'est Eric, d'accord. Bonjour Eric. Donc, on met, j'en ai le plus gros qu'il y a sur les pales. Voilà, hop. Et on va incorporer. Non, c'est pas indispensable. Mais moi, j'ai préféré le faire parce qu'il était chaud. Il était très chaud. Donc, j'ai préféré le faire. C'est pour la chantilly que c'est indispensable de mettre au frais. Pour les blancs, il n'y a pas besoin. Donc, je vais mettre une partie de mes blancs. Je vais mélanger. Alors, je peux le faire avec le fouet mélangeur aussi, hein. Mais bon, aujourd'hui, je fais comme ça. Voilà. Je continue. C'est bien que je fasse ça aujourd'hui, parce que pour ceux qui ont le moule foot, ils peuvent le faire, pourront faire ça pour le week-end, si vous faites des pique-niques, même dans le jardin, hein. N'oubliez pas les verres à pique-nique qui sont en promotion, hein.
en mai. Ils sont plus en promotion en juin. Après, vous avez le prix fort dans le catalogue. Hop. Et avec la spatule, on ne laisse rien. Voilà. Alors. Bah oui, tu peux faire dans un moule rond, oui. L'avantage avec le moule foot, c'est que ça permet de faire un moule en forme de foot. Et puis ça fait un moule un peu arrondi. C'est pas plat au fond. Ça fait une boule, quoi. C'est pas raplapla au fond. Donc on obtient un mélange. Vous voyez, qui n'est pas souple, mais qui n'est pas épais quand même. Voilà. Alors, après, je vais aller mouiller mon moule parce que je ne l'ai pas encore fait. Bonjour Johan. Alors je vais le faire cuire tout à l'heure, hein. C'est pour ça que je ne mets pas sur ma plaque de four. Mais sur quelque chose de plat, mais pas sur la plaque de four. Là, il fait trop chaud, j'ai pas du tout envie de démarrer mon four. Mais vous verrez le résultat tout à l'heure, vous inquiétez pas. Donc, une fois qu'on a bien mélangé, on met dans le moule foot. Voilà, on étale bien. Alors, ça va être génial ce soir. Je vais vous expliquer comment faut faire après. Alors, vous tassez bien. Donc, vous voyez. Je vais regarder. Alors, une fois que le mélange est fait, qu'il a été mis dans le moule, vous mettez bien sûr votre four à préchauffer. Il faut qu'il préchauffe à 200 degrés. Oui, ça va gonfler un petit peu, hein, parce que là, c'est vrai qu'il reste de la place. Mais ça va gonfler. Hein. C'est quand même pour un gros sandwich. Vous verrez ce soir le résultat, quand il sera dans le moule. Et vous verrez si vous doublez ou pas les doses. Donc, vous le mettez à cuire 20 minutes. La même question pour le livret du moulin. Je vais répondre à vos questions. Hein, ok. Donc, on fait cuire pendant 20 minutes à 200 degrés. Et on démoule quand le moule, il est presque froid. Non, pas quand il est froid. Quand vous pouvez le toucher sans vous brûler. Vous démoulez à ce moment-là. Parce que normalement, ça n'a pas attaché, donc il n'y a pas de souci. Vous démoulez sans souci. Vous laissez refroidir. Vous le coupez en deux. Et après, c'est à votre guise. Donc, vous pouvez mettre
ou du Saint-Moray, ou du Philadelphia, ou du Boursin, ou du Philadelphia à mélanger avec du Boursin, ou du Philadelphia avec des herbes, etc. Vous mettez ça sur le bas du sandwich. Vous mettez dessus des tomates, des crudités de votre choix, du jambon, du saumon. Vous mettez un peu ce que vous voulez, en fait. Hein. Vous mettez, vous garnissez non, il n'y a pas de livre. J'en ai pas vu. Hein. Je vais regarder, mais j'en ai pas vu des moules. Donc, une fois que c'est cuit, donc vous laissez refroidir. Quand vous pouvez toucher le moule, vous démoulez. Vous le coupez en deux et après vous garnissez donc avec du fromage frais de votre choix ou vous rajoutez les herbes de votre choix et vous mettez des tomates, du concombre, des courgettes froides, pourquoi pas. Vous mettez du saumon, vous mettez du jambon, vous mettez ce que vous voulez. Vous coupez des parts et vous pouvez manger ça comme ça une fois que c'est ou tiède ou froid. Voilà. Donc ça, c'est pour ma petite recette d'aujourd'hui. Donc, alors, je vais poser ça dans la cuisine et je reviens répondre à vos questions. Donc, le speedy et le speedy. Alors. Speedy Chef. Et le Speedy Chef 2, je suppose que je l'ai mis. Mais bon, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça, c'est le Speedy. C'est le Speedy Chef normal. Ce qui est sûr, c'est que dans le Speedy Chef et dans le livre du Speedy Chef 1 et du Speedy Chef 2, vous aurez toutes les recettes pratiquement les mêmes, de la mayonnaise, des sauces et tout ça qui sont au début. Par contre, vous aurez dans le Speedy Chef 2 des recettes de gâteaux que le Speedy Chef 1 ne fait pas. Le Speedy Chef 1, étant donné qu'il n'a pas de vitesse, dès qu'on met de la farine, on ne peut plus tourner. Donc dans le Speedy Chef 2, vous aurez forcément des recettes en plus pour la farine. Voilà, pour répondre pour ça, sinon, donc, dans le mois de juin, il y a le moule à brioche qui revient. Mais il ne part pas de recette, il n'y a pas de recette. Mais ça, des recettes, je peux vous en faire, c'est pas un problème. Comme je ne l'ai pas, le moule à brioche, je ne l'ai pas gagné, parce que quand c'était pour gagner, c'était au moment où mon oncle est décédé, donc je n'ai pas pu le gagner. Donc il faut que je me l'achète dès le 1er juin, dès la semaine prochaine. Et dès que je l'ai, je peux vous montrer diverses recettes, parce que des recettes, par contre, ma concession m'en a donné. Donc je pourrais vous donner des recettes. Voilà. Alors, pour les charlottes.
Je n'ai pas le moulin Charlotte là. Bizarrement, je ne l'ai pas, le truc à Charlotte. Ça m'étonne. Je ne l'ai pas, bizarrement. Toi, il me semblait l'avoir, ou il doit être rangé ailleurs. Mais je pense que c'est les mêmes recettes. L'ancien livre et le nouveau, c'est l'essentiel. Parce que quand ils font une recette... quand ils font une recette... Un nouveau livre de recettes, ils mettent livre de recettes. Par exemple, le livre pour le micro-minute. Bonjour Stéphanie. Ça va bien, merci. Donc pour les nouveaux livres de recettes, quand par exemple le micro-minute, il y a deux livres de recettes, ils mettent un et deux. Donc là, je pense que ça doit être les mêmes recettes. Alors, bonjour Victoire. Alors, tu as le moule à brioche, génial. Donc l'ancienne, nouveau, ça doit être les mêmes. Hein. Elle est très bien cette recette, oui. Je vous montrerai sur Facebook, Martine Tup. Alors non, il n'y a pas de livre ni de livre pour le mousse à brioche, mais ils vont peut-être s'en apercevoir, ils vont finir par le faire. Alors, doubler la recette, ben, vous verrez le résultat ce soir. Je vous prendrai une photo dans le moule. Et comme ça, vous verrez selon ce que j'ai mis, s'il faut doubler ou pas. Alors, à part ça... Il y en a qui sont à l'ombre. Je peux couper le jambon dans le turbo-top, oui, c'est vrai. Et là, il fait chaud, donc... j'ai un peu chaud. Voilà. Donc, pour la recette... Vous pouvez remplacer par la farine normale. Qu'est-ce qu'on peut remplacer par la farine normale? J'ai pas compris là. Alors le livre Speedy 2, il y a des recettes de gâteaux, mais beaucoup sans gluten. Oui, éventuellement, mais oui, tu peux les remplacer, comme dit Josiane, tu peux remplacer par de la farine normale. Hein. Il n'y a pas. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir. À la vôtre. Hein. Disons qu'ils sont mis un petit peu... Alors ça s'appelle la recette, le sandwich italien. Je vous mets plus près si vous voulez faire une... Alors, attendez, que vous l'ayez en entier. Si vous voulez faire un stop... Quand vous regarderez, comme ça, vous pouvez prendre... Voilà. Ça s'appelle le sandwich italien. Dans le moule... On peut faire plein de trucs avec le moule foot, regardez. Pour ceux qui ont des enfants. Autre question. J'ai trois commandes. Je mets les trois à mon nom sur l'atelier virtuel. Si tu veux trois fois... les mini moules gourmets, non, tu mets un à ton nom et deux à des noms. Ah oui, mais tu vas pas pouvoir. On a eu le même problème. Alors, ce que tu fais, si tu veux trois mini gourmets, Chris, tu m'écoutes, Chris? Si tu veux trois mini gourmets, trois lots de mini gourmets, tu fais une à ton nom et tu m'envoies en MP les deux autres commandes avec le nom et le prénom de ta mère et ta belle-mère, n'importe, hein, on s'en fiche, donc moi je commanderai en MP sous les autres noms, parce que tu vas pas pouvoir rentrer plusieurs fois, faut que tu mettes ton truc différemment,
Et je t'enverrai un SMS pour que tu payes en PayPal. Alors, celle que tu fais sur l'atelier virtuel, tu la payes direct, tu la payes en carte bleue direct. Et les deux autres, je t'enverrai un SMS, donc il me faut ton numéro de portable, pour payer en Lydia, en carte bleue, les deux autres commandes. Voilà. C'est clair, Chris ? Ah bah oui, t'as raison, ouais. Mince, qu'est-ce que j'ai fait là ? Vous êtes adorable pour le livret MicroCook. Même question, je possède celui des pichets Micro Plus 1. Ça, je sais pas parce que je les ai pas. Je les ai pas, mais bon, disons qu'ils les font pratiquement les mêmes, ils doivent rajouter une ou deux recettes de plus. Alors si le livre est à 5 euros, bon... Oui, je saurais que je t'envoie tout à toi, il n'y a pas de problème, hein, Chris. Il y a juste que tu ne vas pas pouvoir entrer trois fois avec le même code, avec ton même email et tout sur mon atelier. Tu ne vas pas pouvoir, et comme c'est trois noms différents... Par contre, il faut bien le nom, le prénom, l'adresse des deux autres personnes. Parce que moi, j'ai mon fichier à remplir. OK ? Et je saurais que j'envoie tout chez toi. T'inquiète pas. Donc, comme je disais, les livrets, quand c'est des anciens produits et que c'est des nouveaux produits, disons que, comment dire, des anciens produits, des nouveaux produits, souvent ils mettent les mêmes recettes, ils en rajoutent une ou deux. Bon, ceci dit, un petit livre comme ça, ça vaut 5,50 €. Donc des fois, ça peut... Oui, eh ben, tu me donnes le nom de ta belle-mère, de ta mère, l'adresse de ta belle-mère et de ta mère. C'est... voilà. Voilà, voilà. Tu me fais un MP sur Facebook, sur MartinTube, et puis tu me donnes tous tes éléments ou tu m'envoies un mail sur martemad@hotmail.fr, comme tu veux. À la vôtre. Ok, pas de problème, Chris. La tienne, tu la fais normalement. Tu vas sur l'atelier. Il y a un lien. Ok. Il y a un lien sous cette vidéo, mais il y a un lien sous celle d'hier ou d'avant-hier. C'est le bon lien. Hein. Ok. Alors pour demain, je ne sais pas quoi vous faire encore. Alors, je voulais donner envie aux gens, en fait, de devenir. Je voulais vous faire une recette pour vous montrer que dans ces Molly Cakes-là, dans ces moules Molly Cakes que vous avez en cadeau hôtesse du mois de juin, que vous pouvez faire des gâteaux en surépaisseur, mais vous pouvez faire aussi des gâteaux, comme ils ne sont pas très grands, des gâteaux juste pour une personne ou une quiche champâte juste pour une personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je vais essayer de voir ce que je vais vous faire. Demain, je vous fais quelque chose avec les moules Molly Cakes. Je ne sais pas encore quoi, mais je vous fais quelque chose. C'est un petit gâteau. J'ai fait du salé aujourd'hui, je vais faire du sucré demain. On est quoi demain ? Vendredi ? Oui, sucré. Ouais. Et puis... Ah, ok. Oui, un flan, pourquoi pas. Et je réfléchissais pour ce week-end. Je vais essayer de trouver
des glaces à faire dans les, vous savez, comment ça s'appelle? Mince, où il est mon catalogue? Je vais faire un flan demain. Ok, ça roule pour le flan. Pour vous montrer qu'en fait, les Molly Cakes, c'est fait pour faire des gâteaux à hauteur. Parce que vous en faites deux, voire trois, et vous faites un super beau cadeau. Un gâteau, pardon. Mais vous pouvez aussi faire pour une ou deux personnes. Parce que c'est des moules qui sont relativement petits. Ils sont plus petits que les autres. Oui, pour les glaces, oui. Est-ce que je les ai ramenés ici? Je sais que je les ai ramenés du garage. Pour vous donner envie de vous servir de ça, je voulais essayer de vous faire des glaces là-dedans. Vous voyez, ils s'accrochent les glaces. Cappuccino, ok. Regardez. On les met comme ça, ils s'accrochent. Et ça, ils sont en vente jusqu'à dimanche. Et après, peut-être que vous ne les retrouverez pas tout de suite. Parce que c'est des produits qui viennent en vente, mais pas souvent. Et au-dessus, vous avez de quoi faire. La glace. Hop. On peut même mettre un bâton, je crois. Oui, c'est pas... Attends, je crois qu'il y a un truc qui bouge après. Non, on les prend comme ça. Voilà, je vais essayer de vous faire... pas forcément des glaces aux fruits, je sais pas. Je vais voir. Essayez de trouver des glaces pour vous faire là-dedans. Pour ce week-end. Et est-ce qu'il y a une... Alors attendez, je réfléchis. Donc, je vous ai fait un taboulé l'autre fois. Bon, je vais réfléchir pour ce week-end. Je vais vous faire... Demain, on fait un flan dans les Moon Molly Cake. Et puis... Et puis après, je fais une glace samedi ou dimanche. Oui, mais ça, salade de riz et de pâtes, tout le monde sait faire, Sylvie. Il n'y a rien de très compliqué. Hein. Sauf qu'il faut utiliser le saladier à l'oie qui sont en vente en ce moment et qui sont superbes. Non, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. J'ai noté pour le cappuccino. Ok. Ouais, un nougat glacé. Ouais, j'y ai pensé aussi à ça. Je vais regarder. Je vais noter. Je note. Poulet basket. Alors, nougat glacé. Et cappuccino. Glace. Et flan. Alors, la brioche... Ah, il y a les graissins aussi, mais je ne retrouve plus mes... Ah, ben, ils doivent être dans un autre truc. La tarte au sucre, je ne vous l'ai pas fait. Les gaufres, c'est bon. Je voulais vous faire un riz au lait aussi. On peut faire un riz au lait et le mettre dans le moule couronne. Vous le laissez bien au froid et vous démoulez après, ça peut être bon. Est-ce que ça vous dit un riz au lait dans le moule couronne? Parce que le riz au lait, on va le faire au micro-minute.
Et après, on le mettra dans le moule couronne. Et vous le mettez à refroidir dans le... Ah, bah super. Donc, riz au lait, on fera au micro-minute et après, on le met dans le moule couronne. Voilà. C'est très bon, le riz au lait. Et en plus, dans le micro-minute, ça cuit très vite. Et après, on le met dans le moule couronne. Comme ça, il y a une belle présentation. Voilà. Bon, ben voilà. Alors, donc, demain, on fait un flan dans les Molly Cakes. Samedi, on fait des glaces. Et dimanche, on fait un riz au lait. Voilà, on est dans le sucré. Hein. Et prendre des kilos au moins. Hein. Oui, tu peux les mettre dans le petit. Mais comme les petits, vous pouvez les acheter en plus. C'est aussi pour vous montrer ce qu'on peut faire dans le moule couronne qui est en vente jusqu'à dimanche. Parce qu'après, ça c'est pareil. Autant le moule Charlotte, vous allez le voir souvent. Autant le moule couronne, vous ne le verrez pas. Oui, je me doute que ça marche. Autant le moule couronne, si vous le voulez, ben c'est maintenant. Parce qu'il viendra... Ça, c'est comme les trucs à glace. Ils ne vont pas venir comme les trucs à glace ou les trucs pour les enfants. Vous savez, ils ne viennent pas tout le temps. C'est vraiment que l'été. Ou... C'est exceptionnel, quoi. Ok, ben on marche comme ça, alors. Bon, ben je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à demain. Excusez-moi, j'ai le nez qui coule. Ben, toujours 17h. Hein. Bonne soirée, à demain. C'est que cette semaine, la promo sur les torchons, oui. Le riz au lait marbré, ben peut-être, mais je connais pas. Bonne soirée, à demain.